Donc on est de retour, désolé pour ce problème technique. Kiev mène par 4 à 0. Donc désolé, vous n'aurez pas pu voir ce match. Mais donc, vous pouvez y aller, c'est bon. Vous allez voir, voir la suite quand même. Désolé pour le problème technique. Et il décide de counter-pick. Lopez qui counter-pick avec Pyra. C'est osé. Battle 1. Fight. Bien ça. Oh là là, il bien joué le petit ring out là. Battle 2. Fight. Bien. Sur la chaîne de dos. Voilà la punition avec le A, ça a touché counter. Oh là 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 là, il a pris une bonne punition. Le jeu combo. Avec le vol derrière le 3B. Oh là là. Le 3B, le vol. Oh là là, il faut faire un meilleur vol là-dessus là. Il faut prendre des vrais dégâts. Ouais, la counter pick. Oh là là, bien joué la punition là du 2 kick. Oh là là, et le coup panique. Le coup panique de la part de Kiev. Hein. Ah, il a counter kick pire. Hein. En 3B. Ah, il aurait dû peut-être balancer la seule pour faire les dégâts. Ça s'est pas passé malheureusement à tout le monde. Oh, dommage, il n'a pas confirmé le avec le B. Le 3B. Voilà, faut mettre des points de punition. Aïe 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 aïe. Il a joué en plus. Ah non, il n'y a pas wall malheureusement. Le coup panique. Le coup. Oh, le 3B et la CE derrière, c'est bien. Voilà. Je pense qu'il prend l'avantage dans le match. Jusuka, il l'a dit, hein, c'est top tier. Bien joué la chope là de deux. Oh là là, c'est une idée. Pour l'instant, il se débrouille bien, il fait pas mal avec sa Pyra, notre cher Lopez. Attention là, par contre, Kiev garde l'avantage. Oh, la punition de la chope, dommage. Il a pas mis 4 derrière, le 3B ça passe pas. Le 3B ça passe pas non plus encore. Et la chope en B. Hop, la CE derrière, bam. Oh là là, le pif de ça, on aurait dit Kusanagi. Kusanagi aurait été fier s'il aurait vu cette phase. Et le relevé kick 5-0 pour Kiev. Belle victoire de Kiev. Le counter pick n'aura pas marché. Comme quoi. Oh, oh c'est bon quoi. Allez. Donc le prochain match chez moi. Alors attendez. Alors Kiev Lopez. Kiev a gagné. Update est back. Et donc Setsu Kusanagi. Ah bon? Bah merde, il a fait 3 matchs là. Ouais je sais. Mais c'est bizarre. Chan Maxou. Chan Maxou. C'est un oui.
I come back, baby. I'm back. Ah, ça fait chose. Ouais, exactement. Pendant que j'étais en train de casser la gueule à Rock, qu'est-ce que ça a fait? T'as gagné combien contre 5-3. 5-3. Un coup de 4-A-A-A-J-F, Reverie 4-A-A-A-J-F. Ah bon? Ah non, j'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé. J'en avais marre et tout. Il a mis 2-0. Du coup, je me suis énervé. Bah, on va passer aussi comme la parole à Kif quand même, le gagnant. Vas-y, assieds-toi. Le mec, il a dit le gagnant, direct. Ouais, bah, le... Rien à foutre. Ouais, voilà, exactement. Direct. Pour nous, on s'est déplacé pour toi. Voilà, exactement. Bah, pour rien, je sais pas. Pourquoi t'es là, en fait? Est-ce qu'il a vu ça sur le forum? De quoi? Il y a un mec, il a écrit Chad a gagné. Il a pas écrit Chad va gagner, il a écrit Chad a gagné. Pour nous, on se déplace. Ah, attends. Bon, bah alors, c'est ta deuxième victoire, là, dans le tournoi. Ouais, j'ai joué contre Rock au début. J'ai gagné 5-2, mais c'était bien serré. Hein. C'était que des 3 en A2 en général. Je gagnais, mais c'était serré. Et là, j'ai joué contre Lopez. Ça a été bien les 4 premiers matchs. Il a counterpick Pira. Et finalement, ça lui a bien servi parce que c'était serré. Je pense qu'il aurait dû faire ça depuis le début. Lopez, Maxi, je le connais assez bien. Du coup, c'est assez difficile. En plus, je joue souvent contre lui. Pira, c'est bien. J'ai pas l'habitude de jouer contre ça, Pira. En plus, c'est on verra ce que ça donne, s'il la ressent dans le combat. Ok, pas de problème. Et donc là, t'es quand même bien parti, mais est-ce qu'il va y avoir des adversaires que tu vas redouter quand même? Déjà, il y a un truc qui se passe très bien pour moi, c'est que Chad a perdu. Ah oui. Il a perdu contre le mec à côté. Merci, Abby. Du coup, Napi, il a l'air bien chaud. Il fait son genre, Chad, Kib, c'est ce qu'on souhaite qu'il ait plus de chance de gagner, mais l'air de rien, il est là, il tape les gens. Voilà, exactement. C'est ça. Et là, il va avoir un match intéressant entre Maxou et Chad, là. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, non, on va avoir un très beau match, et on va suivre, et puis on va voir si Chad va se relever, parce que il a quand même mal entamé, hein. C'est si vous jouez à rien, mais il entame mal ce tournoi, et c'est quand même un des favoris, hein. Ce qui serait bien, j'avoue, c'est que Maxou gagne, ensuite, qui perd contre Chad. Là, tu commences à me jeter, là. Oh, merde. Genre de choses intéressantes. Voilà, exactement. Ça me laisserait... Ouais. Mais faut pas trop manger les plus à la guise de concours, parce que... Quoi qu'il a mal commencé. Certes, Maxou, il a perdu, mais il a perdu. 5-0 contre Maxou. D'accord, mais il a perdu qu'un match contre Maxou. Sinon, je vais pas comprendre ça. Je lui ai fait trop confiance. Et Maxou aussi, hein. Ah, Maxou, c'est pas clair. Foldo... Je pense que c'est... Battle 1. Fight. On va visualiser la page pour voir où on en est. Donc qui veut premier? Ça peut commencer là. Ah bon, merde! Eh mais les mecs, prévenez, hein! Donc les mecs, ils sont comme ça, ils balancent les matchs et tout, ils en ont rien à foutre de notre vie. Et donc on a Gold Chat qui est en P1. Et le Maxou en P2. Et donc on a un match partout là. 3, fight. Le CCB qui passe pas. Oh là là, c'est esquivé, y a pas de punition derrière. Ah, pour l'instant, le massacre il est du côté de Voldo, hein. Ah ouais, il faut jamais faire ça. Exactement. Et puis le perso qui est en face quand même, c'est extrêmement pas évident à gérer. C'est Après, faut dire quand même que les deux joueurs se connaissent très bien. Et en général, ça a souvent été à l'avantage de Chad. Hein. Mais disait ça dans le premier match qu'il a opposé à Happy. Et
Finalement, Chad a perdu. The battle has finished. Only the victor will proceed onward. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Battle. On va rester sur mon stage. Fight. Ah, c'est souvent ses problèmes, des fois il arrive pas à récupérer. Il faut qu'il dise que c'est un autre match. Il a l'impression qu'il est un peu encore dans le match d'avant contre Fabi. Une des qualités de Chad, c'est qu'il agresse. Il a un peu son jeu. Mais des fois, il faut savoir alterner entre agression, camper un peu, jouer mal. Parce que si t'agresses trop, tu prends souvent du coup de l'air, surtout pour les persos qui ont le dos. Ouais. Max, c'est bien joué aussi. Et les dégâts. Bonne pression là de la part de Chad avec Max, c'est tout peur. Alors ça, j'ai jamais réussi à le parer, lui il y arrive, en plus il met la position adéquate. Là je sens que ça passe pas malheureusement. Oh le hack qui a touché tout peur. Oh C'est osé. Et franchement, j'avoue, franchement respect. Moi j'aurais pas. Je serais pas allé jusque là. Fight. Par contre ça sent rien, il a le droit. Il n'y a pas de sauvegarde malheureusement, on ne veut même pas tenter. Bien joué, ça va être bien là. Attention, il va être très vite du côté de Maxou. Ça va déjà pouvoir rattraper. Oh, j'ai pas de garantie derrière ça. 6-6-B, bon, ça se joue dans la garde des deux côtés. Dehors, un clic. Voilà, là ça ouvre. Oh là là, bien joué. Et là, c'est eux derrière, voilà. Ça fait pause directement. KO. Only one fate awaits the defeat. Y'a quoi comme match là-bas? Et donc on en est un partout quand même entre les deux joueurs. Partout. Bien serré le match. Ah, les deux joueurs se connaissent bien, ça va pas être évident. Pour l'instant, je vais vous mettre les résultats, vous les avez là. Donc, je vais vous filer aussi le lien où vous pouvez voir cette page avec les résultats sur le channel, sur le chat, là, hop. Donc là, vous avez toutes les infos sur le tournoi, hein, avec ce lien. Vous pouvez voir les matchs prochains qui vont arriver, sur quel stream ils seront, le classement, vous avez tout. Donc, là, vous voyez, là, qui est premier. Avec une différence de points, on a Maxou qui est un aussi, Lopez aussi. Alpha Patroclus. Et donc ils sont partis. Battle. Oh,
Là, ça va être un stage à l'avantage d'un pas trop close. Il va falloir qu'on profite bien. Ouais, la spéciale. C'est la spéciale. Malheureusement, il y avait le mur qui l'a protégé. Mais il faut être paré à ça. Quand vous êtes sur des murs qui cassent comme ça, donc il y a de fortes chances qu'il détruise ce coup-là. Parce que il n'a pas besoin de faire les trois. Les deux premiers suffisent. Et ensuite, après, ça fait wall, 3B, et après, l'ombre qu'il faut faire sortir. Donc, il faut pas avoir peur de se baisser quand vous êtes dans cette situation-là. Oh, les phases mystiques de la part de ma troupe qui marche, hein, il a pris un bon avantage là dans ce coup. Oh là là, je sais pas ce qu'il a tenté là. Bien joué, la bonne garde là de la part de Shad. Ça c'est ce qu'il a fait. Oh, pourquoi il se pensait s'il fait comme ça? Ah, ça touche pas. Oh là, il a été très patient là. Bien joué de la part de ma troupe. The battle. Partout, oh là là, le 3-3-B qui a touché Max Range, et là c'est terminé à mon avis. Oh non, oh là là, il a été sauvé, mais à mon avis, si ça se repasse de la même façon au début du prochain round, ça ne sauvera pas. La chef de côté, c'est bien. Tire bien bien là. 3-3-B. Bam, bien joué. Chaque pour l'avantage. Allez, qui va prendre l'avantage? Après, on a un partout. Oh, bien joué, ça. Ça vise le pied. Encore. Oh, bien joué, le 3B là qui a très touché. Le 6-6B, ça passe pas. Oh là là, bien plus. Avantage pour Katsu. Oh, bien joué, qui a touché Max Range. Oh là là, bien joué de la part de Maxou. Oh là là. Oh là là, dommage, il a plus. 1-1 pour l'instant. Oh, belle position de choc, très bien. Là, c'est derrière. La choc. Voilà. Allez. Peut-être qu'il va prendre l'avantage, ça vise les pieds, c'est bien. Et le petit sobé, bien joué. Tente le loup visible, hein. Le mec lui crache dessus, c'est plus respectueux. Franchement, non, mais sérieux. Tente le loup visible. Mais merde. Et alors, il continue en plus. Ah, mais il avait dit, en fait, il s'était rencontré lors d'une session à Bordeaux. Et il avait dit que ce coup il était pété parce qu'il n'arrêtait pas de passer. Donc, il est fini. Parce qu'il est bon, et je me mets pas. The battle rages on. Allez, ferme là et joue. C'est sorti, c'était pas là, mec. Ferme ça, les yeux dans les yeux. Voilà, exactement. Ah, voilà, exactement. Ah, bon. Ah, ouais, bah ça. Déjà, c'est pas très bon. Oui. Ah oui, voilà. Ça devient vraiment cool. Ouais. Ça c'est pas Battle. Exactement. Ouais. Ah oui, j'ai l'impression qu'il est encore dans son match de en fait. Ah oui, il arrive pas, il essaie. Il a pas son jeu habituel, il cherche. Je pense plus qu'il fait trop d'imposer son jeu en fait, voilà. Temporiser. Contrairement à Maxou qui agresse d'habitude là, sur regard de lui, vraiment. Il fait attention, il regarde bien, tranquille. Il est trop dans. Il veut le tuer quoi. Oui, voilà, il veut en fait. Fight. Il avait eu son même problème à la reformation de session après avoir perdu contre Sona. Il devait jouer contre Zira et donc en fait c'était la même situation. Il était resté dans le match contre Sona et il faisait les mêmes erreurs. Et Zira en avait profité le premier match
mais violence, il n'avait rien pu faire, Chad. Et oh, bien joué le Tech Cliff Guard. Là, ce derrière, ça tire. C'est rentré en contre, hein. Ça veut rien dire. J'avoue, là. Moi, j'ai eu comme ça, je sais pas. Bien joué ça. Il a sauvé son match avec un. Excellent. Moi, contre lui. Fight. Et donc, qui va pouvoir partir contre sur le stream 1. Donc, on va faire oh là là, bien joué. Et le wall. Bien joué la sortie. Et on en est à deux partout. Là, Baptiste, tu regrettes de s'être blessé. Beaucoup, passionnément. Alors, comment ça s'est passé? Qui a gagné 5-1 pour contre Setsu. Kusanagi qui a gagné 5-1 contre Setsu qui. Qui se rattrape, oui. Ah, ouais, ouais, exactement, oui. Fight! En tout cas, pour l'instant, Matsu qui est bien parti dans ce truc là, on est à deux partout. Matsu qui disait que ça allait être une boucherie, mais c'est pas du tout le cas, hein. Il se débrouille très 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 bien contre son adversaire là. Voilà, c'est ça, il recommence à poker, Chad, c'est ce qu'il faut faire. Son petit jeu de poke. Le 6, mais voilà, c'est bien, le wall là. Hop, hop, allez, le petit kick. Bien joué le GI avec le un kick qui passe pas malheureusement. Oh bien, il s'est blessé. Oh là, et la poule. Bien battle to fight. Le mode 5. Le 1. Tu fais le 1 et normalement je crois qu'il est déjà dessus. Et il y a 1, après c'est comme ça. Après il y a O2 et après c'est tu dois faire 1. Oh là 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 là. Oh, bien joué ça, la bonne garde. Oh là là. Moi, je n'y arrive jamais à avoir la bonne garde là-dessus, et lui, il y arrive tout le temps. C'est incroyable. Hein. Bien joué ça. Chad, là, l'anti-step. Dehors. Oh là là. Chad, là, qui est prêt de reprendre l'avantage sur son adversaire. Belle punition, là. Vraiment, c'est très rare d'avoir un joueur qui a souvent raison sur les mind games de dos de Voldo. Oh bien joué le 2AC, ça va pas tuer malheureusement. Mais il va y avoir un dernier man game pour Chad, est-ce qu'il va le gagner? Oh là là, ça a whiffé, il y a pas plus de ça vise les côtes. Et Chad qui prend l'avantage. Alpha Patroclus. Un peu de stress hein, en Chad là hein, quand même. Hein. Battle one. Fight. Ouais. Oh là là, tombé comme Shippuka malheureusement, bloqué de dropé. Bien joué le Jackyard avec le Haki. Oh superbe ça. Ça punit de chaque côté hein. Ils sont chauds ananas les deux. Oh là là, et la potion lombaire. Bam. Bon. Aïe aïe aïe, ça fait mal, ça fait bien de la part de Maxou qui prend le premier round. Battle 2. Fight. Oh,